Eh ben, cette petite introduction d'épisode 2, enfin de ce deuxième procès, est ma foi fort intéressant, fort intriguant. Nouveau personnage donc, la réelle personnalité d'Olga Orly, donneuse pro allure de pirate, qui est beaucoup mieux que son camouflage de jeune russe au père qui travaille au Borscht Club et est serveuse pour les fins de mois. Une nouvelle vision donc s'engage alors. Bonjour à tous, je suis Lucien et pour la suite, le deuxième procès de ce premier épisode toujours de Ace Attorney Apollo Justice. La dernière fois donc, petit rappel, Phoenix Wright s'étant qu'il a arrêté son activité d'avocat du barreau à Nice, du barreau, est devenu joueur professionnel dans un petit bar, le Borscht Club. Borscht Club, c'est pas facile à dire. Le club de la soupe traditionnelle russe, voilà. Et hélas, un meurtre a été commis, il est accusé, mais des révélations sont faites, des révélations, toujours des révélations, les twists, énormément de twists. Il semblerait qu'il y avait un troisième plutôt personnage, ou un quatrième personnage, je sais plus, un quatrième personnage? Il me semble que oui, un quatrième personnage, qui était là. Est-ce que cela était la réelle personnalité de Olga Orly? Le témoignage commence, n'oubliez pas, votre feuilleton policier, le feuilleton, et c'est dans les meilleurs feuilletons du monde. Petite boisson, mettez-vous bien, c'est parti. D'accord. Et n'oublions pas ce que le Phoenix White nous a dit la dernière fois, quand quelqu'un ment. Il a un tic nerveux sur le visage. Tic nerveux qui sera repris dans Dual Destiny, je crois. Avec je ne sais plus quel featuring de ce jeu que je n'ai pas fait, que j'ai essayé via la démo quand elle était sortie. Et c'était plutôt pas mal. Vraiment. Ça par contre, c'est intéressant. Quoi? C'était quoi ça? C'était quoi? Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, c'est vachement bien. Ça a l'air vachement bien ce truc. Est-ce que c'est un petit peu comme l'utilisation du Megatana? Ça serait énorme si c'était encore autre chose. Quoi, il va falloir que je change. En fait, quand j'avais le Megatana, lors des phases avec le Megatana dans les autres Phoenix Wright, j'avais repris le truc du Sailor Duel de Yu-Gi-Oh! Avec la carte Megatana que je m'étais fait chier à mettre sur 4 frames. Est-ce que là je devrais. Je sais pas si je vais mettre quelque chose, mais ce serait vachement bien. Pourquoi pas? Écoutez. Ce serait intéressant. C'est pas le cou en fait qu'elle se gratte, c'est les cheveux. Oh.
C'est n'importe quoi. Oh putain, c'est n'importe quoi. Ça va trop bien. Quoi? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je sais pas quoi. Ça a l'air trop bien. Du coup, en fait, c'est un petit peu comme... La seule référence qui me vient, c'est putain, c'est la série avec Tim Ross là quand il joue le mentaliste. Est-ce que ce serait le soit, est-ce que ce serait la bouteille? Ah. Qu'elle aura une marque dans le cou. Quoi? Encore, évidemment. Et là, la musique a changé. Donc, il y a un truc en plus. Dire que c'est complètement incohérent. Mais c'est quoi la vie, hein? J'en ai une. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, monsieur White a pourtant dit, hein, il a pourtant dit que il a appelé la police. Oupsie! Ça alors. C'était quoi ça? C'était moche? C'était laid? Bah voilà! C'était gommé! Oh, restitution!
Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Non, non, mais toi, ferme la boulette. T'es trop con. Tu m'étonnes. Oh. Là par contre elle dit la vérité. Salut, ça va? Salut mon copain Wright. Ah comment tu vas depuis... Depuis ce spectacle qui est duré un petit quart d'heure. Christophe, comment Christophe? Oh, une quatrième personne. Oh oui. Donc c'est quelqu'un qui n'utilise, qui est extérieur du club. C'est un indice important, retenons-le. Au début du procès, génial, faut que je me souvienne d'un truc qui s'est passé il y a 2 semaines. Bah oui, il a oublié de prendre en contact. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, quoi. Donc, c'est une personne qui est daltonien. Quoi? Une personne qui serait atteinte de daltonisme ou d'une quelconque forme de modification. Qui pensez-vous? Alors, Orange Club, c'est pas lui. La victime, ça m'étonnerait. L'arnaqueur s'est fait passer pour le personnage Orange Club, Victor Boulet. On n'en a rien à faire de toi. Alors là, je sais pas, ça va être le pif parce que... Quand même pas. Ah bah si. Oh! World Twist! Ah bah oui, maintenant qu'il le dit. Ah bah oui, mais maintenant qu'il le dit. Donc en fait là ce que le jeu est en train de me dire c'est il faut pas que t'arrêtes de jouer tant que t'as pas fini l'affaire parce que sinon tu te souviens de rien. Ne faites pas comme moi. C'est pas recommandé.
Ouais, sauf si tu as une preuve. Évidemment. En tout cas, j'aime beaucoup la musique. Ça met le doute. Comment ça? Oui, alors il y a des petits ralentissements. C'est hélas. J'ai essayé d'optimiser au mieux. Mais je peux pas tout. J'ai pas tout réussi. Donc voilà. Objection! Qu'est-ce que ta gueule, Gavin? Eh! Eh non, mais oh, d'où tu me parles? Bah. Et ben, ça se fait là si ou non tu as quelque chose à voir. Quand je comprends pas, pourquoi. Non, mais Madame Orly n'est victime qu'à d'une vulgaire manipulation. Ah, la cour est-elle en air. Ah, Et bien là. Je veux que oui. Ferme ta gueule. Je suis un professionnel. Enfin, je suis un pseudo professionnel. Le meurtre en dessert. Ouais, j'adore ce petit long. Alors. À la table. Ouais. Là, ça y est. D'accord. Ok. 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 Ok, ça se tient. Bah, il donc. Ça se tient en même temps, ça. Qui sommes-nous pour de telles manipulations? Pour nous dire que tout cela était entièrement sa faute? La vérité, oui. Eh ben, c'est une belle quête, Wright. Sache-le. Je suis fier de toi. C'était pas, c'était mauvais bouton par contre. Oh là, mais il se passe des choses. Vous voyez à quel point. Tu sais, la première affaire, ça va tellement loin. Il y a des mecs chez Capcom qui sont payés. Je sais pas combien, mais ils sont pas assez payés, je pense. Parce que. Il ment. Il ment. Oui. Il ment. Évidemment. En train, je dis oui. Eh ben parce que c'est ta destinée. LOL. Alors. Alors nous, on ne voit pas Christophe sur la photo. Voilà, c'est-à-dire que je le verrai Christophe, normalement, à détail, à bout de test. D'habitude, de l'habitude. Ouais, habituellement d'habitude. Exactement. Oh. Ah. D'accord. Ah mais il y a ma barre qui est revenue à fond. Ah, les règles ont changé donc dans celui-là. Moi je pensais que je me restais autant que. Bah tant que le conseil n'était pas terminé. Tant pis. C'est un peu dommage là, tu vois, ça met un peu moins de suspense. Peut-être. Mmh.
Ah oui, dis-moi ce que tu caches, Joyce, ça m'intéresse. Alors oui, alors ça, je vais en savoir un peu plus, même si on a déjà une petite idée. Raté, évidemment. Exactement, c'est le même piège. Alors, souvenons-nous, c'était il y a quelques minutes. Oui, par contre, là, t'es en train de me remettre ce que je sais déjà. Parce que je te demande. C'est parce que je te demande. Le 5 de cœur. Le 5 de cœur. Ouais, le 5 de cœur. Non, elle est pas là. Pardon, j'ai dégraissé. Oui. Oh. Alors, si c'est vide, ça fait pas mal. Sachez-le. Non, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Moi, je veux bien y croire. Qu'on l'amène à un légiste. Bah oui, mais il a pas la police. Ah bah écoute, je ne sais pas mon petit. En même temps, tu es un joueur redoutable. Ok. Sûrement. Oui, monsieur. C'est pas là. C'est pas là-dedans. Il y avait un chapeau. Enfin, il avait toujours son chapeau. Comment t'as pu voir que le sang lui coulait près du front? Je comprends pas. Tu vois à travers les chapeaux? Mmh.
l'avoue parfois. Ah, petit suspense. Ah. C'est un peu con. Petite explosion. Pourquoi ? Michael Bay. D'accord. Ah, c'est pas fini. D'accord. Oui, mais c'est bon. Et bah le piège justement, la bouteille. On est un peu bête en ce moment. On est un peu bête, la bouteille évidemment. Il y a vraiment une carte. Dis-moi qu'il y a une carte. Oh mon dieu, c'est tellement drôle le gamin, lol, MDR. Oh quel trait d'esprit, quel trait d'humour, le gamin. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non, quand même pas. Gamin? Dans la bouteille. Téléphone. Oui. Oh, bah dis donc, on m'a caché des trucs. Ah bah oui. Reconstitution. Je crois que je suis dans le pétrin. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de poker? On peut dire ça comme ça, oui. L'homme qui t'a lancé un défi, il est comment? Mort. On l'a frappé. Et sans ménagement. Quoi? Il s'est fait fracturer son crâne d'œuf? Pas par toi, j'espère. Moi? Tu veux rire? La police s'arrête d'une minute à l'autre. Je te fais confiance. Si toutefois on devait en arriver là. Waouh! Son crâne d'œuf. Oh ouais, comment Gavin savait que cet homme était chauve? Oui. Ah ah, c'est la question. Oh, suspense.
Il y a du suspense. Ça a l'air cool. Oui. Moi, je suis prêt. Toujours. Prêt. C'est déjà fini. T'as déjà fini. T'es déjà fini. Putain, c'était plutôt court. Putain, mais tout le suspense, voyez-vous, j'adore ça, j'adore ça. Oui, madame. Oui, bonjour. Oui. Tu es qui, toi? D'accord. Si, quoi, qu'est-ce que c'est? Une carte rouge. Est-ce que ça serait pas par hasard le 5 de cœur? Spoiler alert! Ah non, c'est l'as de pique avec une. Avec du sang dessus. C'était ça l'as en plus? Alors pourquoi il y a une trace dessus? Oh, le suspense autour de cette carte. Oh merde, c'est la fille de Phoenix Wright. Spoiler! C'est génial! Je me suis penché dans le poisson en essayant de trouver le sens de tout ça. C'était. J'ai sûr de l'avoir vu récemment. Oui. Oui, trop du cul. C'était. Voilà. Oh mon dieu, c'est sa fille! Ah, suivi de sang. Vous êtes sûr que c'est du sang? Tu verras un peu vite, je. Oh, c'est. Oh, c'est pas fini! C'est pas fini. Oh oui! C'est pas fini. Bon, et bah, allez. On s'en refait une petite dose. Oh, Christophe Gavin. Oh, tu es. Beau! Oh la vache. Ils ont failli me faire croire que c'était fini. Toute la beauté! Et le suspense de ce sujet. Ça donne l'air, ça en a vu bien l'autre. Oh putain, tu m'étonnes. Par ce crash. Non, tu crois? Bonjour Phoenix Wright, je t'ai reconnu de très. Pourquoi t'es à côté de moi? Bonjour, je suis une musique référence aux jeux aux autres jeux Phoenix Wright. Comment allez-vous? LOL. Oui, ça d'accord. Sauf une fois. Oh putain, je sens une blague nulle. Il faut enlever ou être présent sur le micro. Oui, aussi. Bah oui. C'est pas mal, c'est logique. Ouais, rigole. Il est lol. Oh mon dieu, il cache des choses. Encore plus de suspense. Oh là 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 là, il se passe des choses. Ça va être trop bien. Je suis déçu de ne pas avoir un deuxième café, j'ai tout bu. Tant pis. Oui.
y a un truc que j'ai pas suivi. On est d'accord que au sous-sol, tu captes rien. Alors, dans ce cas, comment tu as pu avoir la conversation de Felix White? Le coup de grâce! Pardon. Oui, je suis prêt, votre honneur. On a réutilisé la même animation que pour Phoenix Wright dans les autres jeux. Mais c'est ça qu'on aime, Apollo. C'est ça ta vie maintenant. C'est le twist. Ta vie est un twist. Infini. Oui. Oui. Tu vas trop vite, boulet. Alors, parce que je suis un putain de témoin oculaire et que je suis un connard de cabinet juridique. Voilà. Oui? Oui. Et c'est ça qui va tout changer. Et pourquoi? C'est simple. Parce que j'ai la carte ultime. Tu diras merci à ta fille d'ailleurs. Voici un as que nous avons examiné bien évidemment avant. Parce que nous sommes comme ça. Regarde-moi cette tache de sang. Suis une goutte de sang. Oui. Alors non, je veux juste la tourner s'il te plaît. Cette carte est rouge comme vous le voyez, ce qui explique des choses. C'est un as comme on le voit ici. Bon, c'est bon, on a compris. Tout le monde a compris, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Ça vient de ramer du cul, je suis désolé. C'est ma carte piège. Non, c'est pas la bonne carte. Ma carte... Oui. Pique. Pique, sang, t'as compris. La référence. Lol. MDR. Le doute revient. Ah. 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 La tienne. Oh. Oh. Oui, Gavin. Quoi, Gavin? Tu as un problème, Gavin? Et pourquoi, Gavin? Oh.
gamin. Oh, ça alors. La raison pour laquelle les cartes ont été changées, voulait. Lol. Oui. Oh, c'est possible. Objection. Qu'est-ce que t'as, gamin? Et pourquoi, gamin? Oui, c'est vrai que le système juridique dans ce dans cet univers est très spécifique et étrange. Objection. Oui, y a que le meurtrier se serait fait mal. Objection. Ou alors il y aurait ses preuves dessus. Merci Felix Wright. Merci de pointer du doigt, tu as un beau doigt. Bah les empreintes. Oui. Oh, j'adore imaginer. Soit 3D. Oh putain, c'est en train de tout ramer, au secours. Ils ont mis tout le budget dans du Unreal Engine 4 là, c'est foutu. Voilà. C'est à même avant l'heure. Tiens, quelle est la contradiction? Alors, le témoin numéro 2 aurait tout vu la scène. Il aurait vu ça et ça. Ce n'est donc pas. Oh. Et si, au lieu que la victime, on lui donnait un coup et qu'elle restait comme ça, on lui donnait un coup et qu'elle était tombée sur la table? Et que du coup on aurait relevé la victime. Le génie de ce de cet assassin. Ça veut dire que quelqu'un a bougé le corps. Ou les chaises pivotantes, oui, c'est. Ah. Oh putain, sérieusement? Oh, c'est... Non, c'est. Non. Putain, mais la 3D est géniale, ils ont mis de la 3D dans Phoenix. C'est bon. C'est bon, là officiellement, ça vient de passer dans le top 3 des meilleurs jeux de Phoenix Wright. Enfin. Putain, mais la 3D! Incroyable. Putain, mais je suis sidéré. Autant de moyens dans une petite cartouche de DS et... Technologie va trop loin, c'est mon genre. JPP. Et donc du coup, c'est tourner le dos... Ce serait le témoin numéro 2. Un assassin. Une femme inconsciente. Et un crâne. C'est le témoin numéro 2. Oui. Ah bah complètement. Ah non? Ah merde.
Ah, non, excusez-moi, je réagis trop vite. Donc du coup, ce qui provoque... Ou est-ce que ce serait l'assassin qui l'aurait frappé derrière? Non. Mais non, attends. Bah si. Bah si, du coup, parce que le coup, s'il était porté derrière, c'était l'assassin. C'est étrange. Bah, devant lui. Il aurait dû être devant lui. C'est le plus probable. Non, pas du côté. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Non, il y a un truc que je... Non, il y a un truc que je comprends pas, là. Attends. Non. Mais attends, non, c'est... Attends une seconde. Il faudrait qu'il soit là plutôt. Mais yes. Ah oui. Mais devant lui donc du coup. C'est plus logique. Quelqu'un aurait déplacé l'armoire, c'est ça que t'es en train de me dire? Quoi? Donc, si, et donc, l'armoire, regardez cette 3D incroyable, donc l'armoire était là. Putain, mais ils ont tout mis dans la 3D, c'est génial. Je pense que là, on n'est pas loin du futur. Je pense qu'ils se préparaient à la 3DS, là, ils se sont dit, on va te foutre de la 3D. Et donc, du coup... Et donc du coup... Mais quoi? Attends. Donc si la victime change de place et l'assassin aussi, ça veut dire... Ça veut dire que c'est le deuxième témoin qui dit de la merde. Vu que la vue est bouchée.
vache. C'est... Ouah, ça va trop loin. Ça va beaucoup. On est un niveau au-dessus de Trials of the Tribulation là. Ah, Lucie. C'est donc ça le secret du Barge Club. Putain. Il y avait une... Oh, je vois mieux. En effet, une sortie de secours. L'extérieur. Le restaurant. Là, les MDR. Alors là, il y a une meilleure transition, c'est parce que au départ c'était juste transition blanc image, transition blanc personnage. Et là on a transition blanc image, transition blanc qui ramène aussi un fade sur notre personnage, ce qui est pas mal. Ils ont appris des trucs. C'est tellement tarabiscoté. Elle connaît les guides. Elle sait jouer au duel des monstres. Oh mon dieu! Là, je dis pas rien, il y a trop de choses, il y a trop de choses, il y a une tension là. J'ai rien à dire tellement c'est... Waouh! Ah! Je crois qu'il y a une musique qui nous dit que c'est bientôt fini. Je pense, oui. On n'est pas loin de la fin là. Je suppose même qu'on n'est pas loin de la fin. Boulet? Oui! Boulet! C'est à toi, Boulet! Ah oui. Ah bah complètement. Mais complètement. Objection. Ah. Comment? Ce n'est pas fini. Il avait une carte piège dans sa manche. Et oui, car il y avait un M de distraction. Oh là là, comment il se la pète. Et je n'ai plus aucun respect pour Monsieur Gamin. Parce que Monsieur Gamin est un connard. Ah oh bah tu sais, hein. C'est arrivé pas une fois. Oui. Ah bah, laver de tous sous le son, oui.
Ah, la fameuse bouteille. La fameuse bouteille. La fameuse bouteille, hein, dans le milieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est vrai que... À l'envers. En plus... Ah bah beaucoup, même dès le début, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de te dire, Phoenix Wright, dès le début. C'est qu'il a l'intention de frapper quelqu'un. Ouf, non. Moi qui pensais qu'il allait jouer au baseball. Tu apprends des choses, Christophe. Oui, Phoenix, c'est moi. Qu'est-ce que tu me demandes? Bah oui, il y a la bouteille. Oh. Pour. Vas-y, là. Bah non, ce serait pas drôle. Parce que moi, je baille un petit peu. Justice ne partira pas. La MDR. Comment peut-on expliquer les empreintes? Eh bien, écoute. Attends. On peut examiner ça une seconde? Ah putain, oui, je suis obligé de la faire tourner comme ça. Oh, c'est pas chiant du tout. Excuse-moi si. La bouteille est complètement vide, oui, bah ça d'accord. J'ai tenté un truc. La bouteille. Bah, présenter la bouteille. Même si j'ai. C'est pas ça? Ah bah ouais. Pardon. Désolé. Excusez-moi. Ah bah oui. Putain, mais évidemment, je suis trop con. Évidemment, je suis beaucoup trop con. Je suis idiot. Je suis complètement idiot. Bah oui, beaucoup trop simple. beaucoup trop simple. Waouh, par contre ça rame, c'est chiant. Oh putain, le génie du crime de cet homme.
Le gamin n'a pas l'air incroyable. Ah oui. Après Lorraine a une bouteille dans sous son bonnet. Récupérer les bouteilles sous le piano. Ah bon? Oh le con. Oh je viens de trouver. Bon par contre il fait la gueule. Laisse-moi deviner. N'y aura-t-il pas une carte? Le sac du cœur? Par exemple. Ce qui explique que c'était la bouteille sur la table. Oh mon dieu, c'est 3D. Waouh. Le 5 des cœurs. C'est ça. C'est ça. Le 5 des cœurs. Évidemment. Alors là. Waouh. Je suis choqué par ce breakdown. Moustillé. Tout le monde est choqué en fait. Comme ça, c'est tout? Quoi, c'est tout? C'est... Vraiment? Il n'y a pas que ça? Il n'y a pas que ça. Comment ça? Comment ça? Pointez le doigt. Redonne du calme. Tu le prends super bien. Il le prend beaucoup trop bien. Oui. Eh ben, accusé. Je pense, oui. Oui, accusé. Ah, c'est étrange en effet. Bizarre. Peut-être que cela sera expliqué dans la dernière affaire de Ace Attorney Apollo Justice. Sans doute. Et peut-être qu'on y retrouvera Phoenix Wright qui se fait accuser lamentablement et qui perdra son titre. Peut-être. Ou peut-être dans la cinquième affaire. Parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, il était voyageur. Ouais. C'est fou ça. Oui, Christophe Guérin. Ouais, bah quel dommage. C'était un ami. Et un homme surtout. Mais un ami. Mais un homme. Oui. Bastien.
C'était moi. Enfin, lui. C'est beau. C'est beau la vie. Ah, pardon. Par contre, fumigation, s'il te plaît. Merci. Tu es bon, Felix Wright. Tu es bon. Ah, tu veux y retourner? Vraiment? Ah, voilà. Est-ce qu'on aura la petite animation? Waouh! Ouais. Ça n'a pas changé. Ça marche bien. Pourquoi ça? Pourquoi oublier? Je vous le demande. Et donc, cette affaire aura duré quand même une petite heure, mais. Putain, nouvelles features. Non, deux nouvelles features déjà, la 3D et l'œil. Votre don, oui, j'ai senti l'œil. Je vois. MDR. Pardon. Bah évidemment, hein, c'est comme les stands. Comment ça le médaillon? Je suis sûr que c'est pas sa fille en fait, c'est qu'il y a un problème. Je suis sûr qu'il y a un truc. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose sous la photo? Oh là 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 là. Oh, est-ce que tu sens le fil rouge qui est en train de se faire là? Oh, est-ce que tu sens le fil rouge? Oh, je le sens bien le fil rouge. Pardon? Comme ça? Hein? Quoi? Je sais pas. Quoi? Ah, les fameux incidents qui sont déroulés plusieurs années en arrière. Un classique des Ace Attorney qui est toujours magnifique. Ça par contre, c'est un truc, dites-vous que si jamais vous ne voulez pas jouer au Phoenix Wright, faites-le au moins jusqu'à la cinquième affaire, elle est magique. Sauf peut-être dans le 1. Dans le 1, elle est bof, quoi. Quoi? Pardon? Quoi? Oh. T'es pas en train de me dire. T'es pas en train de me dire que c'était l'as? Oh. Oh là là, mais regardez-moi, oh, ça va tellement loin. Ça va trop loin pour moi. Oh, mais j'ai tellement hâte. Est-ce que t'es en train de me dire que t'as falsifié une preuve? Oh.
Est-ce que Phoenix Wright ça me falsifie une preuve? Oh là 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 là, suspense! Je tombe dans les pommes. Moi aussi. Allez. Ah non, une petite gifle? Oh. Super. J'ai une carte. Yes. J'adore ma vie. Ah, c'est marrant. Oh, il sourit, c'est beau. Et il se barre. Et c'est fini? Non. Ah bah oui. Oh putain, évidemment le fameux fil rouge du jeu. Et c'est ça qui est beau. Et oui. C'est beau, fin d'épisode. C'est magnifique. Je sais pas quoi dire. Oh là là. Et un nouveau chapitre qui est un nouvel épisode pour faire de Bloodfest. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte. Et donc du coup, à la fin de chaque épisode, nous devrions avoir un petit artwork de l'épisode fini normalement. Alors attention. Ah, c'est arnaque. Oh l'arnaque, y a rien du tout. Bon bah écoutez. Et on va finir là-dessus. Merci d'avoir suivi ce petit épisode, hein, ce feuilleton. Cette fin de feuilleton de l'épisode 1 qui est. Mais qui est ultra rempli de tout ce que le jeu va nous apporter pendant son intégralité. Et ça, c'est ce que j'adore. La 3D, le fait de pouvoir faire une simulation 3D du coup. Et un nouveau pouvoir qui va remplacer donc le Magatana. Qui, j'espère, va nous servir autre part que dans un procès, parce que ce serait cool. Et pour le moment, je pense savoir qu'est-ce que j'ai intégré comme petite vidéo pour rendre le tout assez cohérent. J'espère que ça va être cool. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like sur ce que vous pensez du jeu, ou bien ce que vous avez pensé de l'épisode, ou bien me dire ce que vous appréciez dans le jeu en fait, voilà, parce que je sais pas quoi dire. À vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de Ace Attorney pour la Justice et aussi des autres vidéos qui sortiront. On me suit dans la description, il y a un Twitter et un Discord où je suis présent, plus sur Twitter que sur Discord. Et bien sûr de mettre un petit j'aime parce que c'est super important. Et de vous abonner bien sûr. Merci à tous, bon jeu. Et à la prochaine pour le deuxième épisode de Ace Attorney Apollo Justice.